Meghan Markle et le prince Harry ont fait l'objet d'une folle rumeur. Celle-ci indiquait que les Sussex ont signé des papiers de divorce. Elle a rapidement été démentie par un média compétent. Les Sussex sont en Californie et ils sont très heureux. En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Une décision qui a fait l'effet d'une bombe et a été très mal perçue par les Britanniques mais aussi les Windsor. Depuis, le couple est constamment au centre de l'attention et il fait l'objet de rumeurs très souvent infondées. La dernière en date concernant leur possible divorce. Celle-ci a été démentie par PolitiFact, un site de vérification décoré du prix Pulitzer en 2009 pour son travail de lutte contre la désinformation lors de la campagne présidentielle américaine l'année précédente. Les allégations selon lesquelles le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont divorcé sont sans fondement, ont-ils écrit sur leur site il y a quelques semaines. Par la suite, il était précisé que la vidéo ne fournit aucune preuve crédible que tout cela est réellement vrai. De leur côté, les Sussex ont, comme à leur habitude, préféré ne pas adresser cette folle rumeur. Retirés des réseaux sociaux depuis mars 2020, nul doute qu'ils n'ont pas l'intention de revenir. Meghan Markle et le prince Harry ont l'habitude de faire l'objet de rumeurs infondées. Chacun de leurs faits et gestes est analysé dans les moindres détails et il est très rare qu'ils prennent la parole publiquement. Cette nouvelle attaque a été relayée à travers une vidéo sur Facebook le 16 juin dernier. Celle-ci est rapidement devenue virale puisqu'elle indiquait que les Sussex ont signé des papiers de divorce. Comme l'a révélé PolitiFact, il s'agit d'une ancienne vidéo publiée dans un article en 2021. Sur celle-ci, on pouvait voir Samantha Markle, la demi-sœur de la duchesse avec laquelle les relations sont tendues. Je vois leur mariage se terminer par un divorce, à moins qu'ils ne bénéficient de conseils approfondis, avait-elle affirmé. De quoi lancer une folle rumeur indiquant que le couple aurait divorcé. Toutefois, Meghan Markle et le prince Harry sont toujours ensemble et ils vivent avec leurs deux enfants, Lilibet et Archie, en Californie. Même s'ils sont constamment au centre de l'attention, si est-il loin de la médiatisation et des réseaux sociaux qu'ils ont décidé de poursuivre leur chemin et les Sussex semblent être beaucoup plus heureux. Meghan Markle, pourquoi fait-elle l'objet d'une enquête? Meghan Markle fait son grand retour au Royaume-Uni à l'occasion du jubilé de platine d'Elizabeth II. Une apparition très remarquée et qui semble avoir laissé des traces. Selon le Daily Mail, la duchesse a fait l'objet d'une enquête, lancée par la reine d'Angleterre. La raison ? Son comportement avec le personnel lors de son séjour. Le média explique que les relations entre le personnel du prince Harry et la mère d'Archie et Lilibet se seraient largement tendues dès son arrivée. En effet, Meghan Markle aurait changé les habitudes du personnel, exigeant de nombreux changements qui ne sont pas passés inaperçus. De son côté, la duchesse a engagé des avocats qui ont rapidement nié les faits, assurant qu'il s'agit d'une campagne de diffamation calculée, basée sur des informations trompeuses et nuisibles. Nous sommes déçus de voir cette représentation diffamatoire de la duchesse de Sussex décrédibilisée par un média, peut-on lire. Une histoire qui risque de faire parler.